Aujourd'hui, nous partons à la rencontre des Parisiens et des Parisiennes surtout pour savoir ce qu'ils pensent de la Saint-Valentin. Vous êtes en couple depuis combien de temps ? 43 ans. 43 ans. Ouais. On s'est rencontrés il y a genre une dizaine d'années à l'école. Dis-moi maintenant. Qu'est-ce que vous faites pour la Saint-Valentin ? Il y a un petit truc qu'on fait tous les ans, c'est qu'on s'amuse à cacher une petite carte de Saint-Valentin quelque part à la maison. Et voilà, on sait qu'il faut retrouver une carte cachée quelque part et puis c'est le petit jeu tous les ans. Voilà. Il y a écrit quoi sur la carte ? Il y a écrit des mots d'amour ? Bah, on se rappelle qu'on s'aime, voilà. On se serre encore plus fort dans ses bras l'un de l'autre. On rajoute peut-être un petit cœur à côté de la tasse pour faire comme tout le monde. Et puis on se dit ce jour-là, tu es mon Valentin. Et je suis ta Valentine. Rien, hein ? Rien ? Il y a jamais un jour où vous avez fêté la Saint-Valentin ? Je crois que jamais. Hein. Non, je pense pas. Non. Strictement non. Jamais. Et pourquoi donc ? On n'a pas besoin d'un jour, mais en fait non plus jamais les anniversaires. Comme pour Noël. Non, ni Noël, on s'en fout. Vous n'avez pas pris exemple sur votre père pour séduire une femme ? Non. Vous pensez que la Saint-Valentin c'est une fête commerciale ? Moi oui. Vous la faites quand même ? Ça dépend. Ouais. J'ai déjà proposé à une fille l'an dernier, 14 février, de venir chez moi, mais je ne l'aurais jamais proposé un autre jour. Vous avez fait quoi du coup ? Vous avez... Quel est votre atout séduction ? C'est lui. Donc vous dites que vous avez un fils ? Oui. Voilà, je dis que j'ai un fils beau comme ça et évidemment elle tombe comme des mouches. Votre petit regard, vos yeux, sûrement. Ah, vous dites ça à qui ? À toutes les femmes que je rencontre, évidemment, puisque je veux toutes les séduire, hein. C'est normal. Enfin, c'est inné, c'est pas inné, je sais pas, c'est une certaine une manière d'être peut-être. Votre beauté, sûrement. Vos yeux bleus. Ça doit être ça. Ça doit être un peu, oui. Les yeux, je dirais. En tout cas, pour elle, c'est les yeux. Moi, c'est naturel. Hein. C'est, y a rien de sophistiqué, quoi. C'est tant mieux quand ça le fait, quoi. Tant mieux quand ça l'a fait. Quel est votre meilleur souvenir de la Saint-Valentin ? Un très bon dîner. Un très bon dîner avec des gens que j'aimais. Oui. Des gens ? Beaucoup de gens en même temps. C'était très sympa. Beaucoup de femmes ou d'autres, des collègues à vous, des amis à vous ? Oui, des couples amis, voilà, des couples amis, voilà. C'était sûrement la toute première année qu'on a passé ensemble. M'a surpris avec une boîte de chocolat et des sucettes. Des sucettes ? Oui, en forme de cœur. Je crois que je vais acheter des sardines, parce que t'aimes bien les sardines. Peut-être, ouais, mais acheter des bonnes sardines, c'est possible. Mon meilleur souvenir, c'est d'être grimpé sur le toit d'un immeuble très très haut. Et d'avoir bu sur le toit de cet immeuble très très haut un excellent mojito. Vous trouvez quoi par rapport à son physique ? Tel père, tel fils. C'est peut-être vrai, oui, c'est peut-être vrai. C'est ça la réalité. D'accord. Est-ce que déjà vous êtes en couple ? Est-ce qu'on est en couple ? A gente está... Estamos un casal ? Non. Entre un garçon et une fille, se mettre en couple, c'est juste une petite raison pour... faire de bonnes choses. Vous êtes en couple ? Non. Voilà. Lui, il est célibataire et lui aussi. Est-ce que ça vous intéresse ? Là, franchement, oui, je vais dire devant la pression du micro. C'est parfait, voilà.